Tu es comme chez toi ici. Hein. Ah, je suis presque comme chez moi, exactement. Moi, j'ai de la chance d'avoir des amis comme ça, donc ça, ce sont des diplômes. Ils m'ont proposé de. Ce qu'il va y avoir un concours de. Tu vois ici, là. Un concours littéraire. C'est imprimé en typo, comme t'a expliqué tout à l'heure Serge ou Alexandre. Ils vont les remettre après. C'est l'association qui va le remettre. C'est un honneur pour moi. Hein? Tu sers de modèle? Moi qui n'ai jamais eu de diplôme dans ma vie. Et c'est moi qui donne des diplômes. Il faut le faire quand même. Hein. Tu fais le support des diplômes en plus. Voilà. Donc là, je me tape les signatures. J'en ai signé. Du coup, ça c'est une commande qu'on t'a fait ou C'est pas une commande, c'est une. Ils m'ont demandé, je lui ai dit d'accord. Voilà. C'est du coup, c'est assez proche de l'invitation que tu avais faite. Oui, exact. Un peu plus grand. Non, mais je trouve que c'est intéressant, toutes ces expériences-là. Moi, j'aime bien ce genre d'aventure. Puis c'est le papier, c'est un magnifique papier. C'est un papier arche. C'est intéressant. Et moi, je suis un amoureux de ces papiers-là. Donc, c'est pas ennuyeux du tout de faire ce genre de travail. Voilà, moi, c'est pas beaucoup. Comme tu disais, cette technique te permet. C'est une technique ancienne en fait. C'est gravé, le support il est là. C'est ça, oui, j'ai vu le. Je vais te montrer. Voilà. Donc si tu veux, j'ai gravé sur ce bois. Après, il y a cette impression, comme ça, que ça platit. Et puis on a le. Donc ce qui est bien, après, on a rajouté pas mal de couleurs. Tu vois? Alors, du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'il utilise directement ta plaque en bois en tant que. Oui, exactement, ouais. C'est le procédé de. De typographie. Ouais. Du coup, c'est comme si on mettait des lettres, finalement, on met la plaque en bois et elle sert de. D'exemple. Voilà. Et donc, toi, ça permet. Si tu veux, avant, ils utilisaient de l'anino gravure. Et puis, en regardant les machines, je dis qu'on peut faire un essai en bois. Ben, finalement, c'est un magnifique essai et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc du coup, ça a permis d'expérimenter aussi des choses, parce que finalement, l'impression à partir de bois taillé, c'était pas forcément, ils n'avaient pas forcément essayé ici à l'imprimerie. Oui, voilà. Donc ils ont été tout de suite d'accord pour faire l'essai, et puis ma foi, ça marche. D'accord. Donc ce sont des véritables aventuriers. Aventuriers, un petit peu artistes aussi. Aventuriers, artistes, ouais. Ouais, c'est pour ça que moi je me retrouve bien dans cet univers-là. Et ça permet d'expérimenter plein de choses. C'est comme tu me disais, ça c'est. Du coup, malgré que ce soit tiré à plusieurs exemplaires, c'est quand même des originaux. Ah bah oui, c'est ça, ce sont des multiples, ouais. Mais là, on ne va pas en faire des milliers, hein, c'est très limité. Hein. Là, il y en a 30, mais par contre, ça, il y en a un peu beaucoup. Que ce qui était prévu, parce qu'il y a du monde qui vient de voir les expos. Le but, c'est chaque visiteur aura une petite œuvre originale. Donc voilà, c'est surtout un hommage à notre ami qui est décédé. Voilà. Et voilà. Le diplôme Pescalis. C'est comme un générique. Et tu as les typos là? Agissant ici. Un jour j'ai utilisé
une pipeau que j'ai trouvée qui est assez rigolote, ça s'appelle l'Algérienne. Viens voir. Elle vient de l'autre côté. C'est ça, c'est comme il disait, c'est pas forcément classé par, par ordre alphabétique, mais par ordre de... Regarde. Algérienne et Algérienne. Donc avec ça, j'ai fait l'invitation. Ça, c'est quelque chose qui est magnifique, hein, n'est-ce pas? Quand tu vois toutes ces belles choses, c'est sublime. Ça va? Dedans, ce que tu dois aimer, Slimane, c'est... Tu te retrouves un petit peu comme dans ton atelier, là, un petit peu, quoi. C'est, Ah oui, moi je suis heureux ici, ouais. J'ai comme un poisson dans l'eau, hein. Ce que je te disais tout à l'heure, les bruits, les odeurs, c'est pas du tout agaçant. On voit pas le temps passer. Et c'est magique. Comme je suis quelqu'un de très curieux, je suis toujours là à chercher à converger les idées. Et puis ce qui vient, ils sont ouverts à toutes sortes d'aventures, donc toutes sortes d'expériences. Voilà, justement, c'est que t'es pas non plus à une place aussi du simple client qui reste derrière un comptoir. Ah non. Là, tu te retrouves. Surtout pas ça. Tu te retrouves dans l'atelier. Surtout pas ça, ouais. Oui, c'est presque fraternel, c'est familial, quoi. C'est ça qui est magique. C'est ça qui est bien, en fait.